Coucou à tous, alors aujourd'hui nous sommes mercredi 5 mai. Alors je vous fais une vidéo de ma commande Stampin' Up. Alors j'ai commandé jeudi passé, je l'ai reçu lundi. Donc ça a été très très vite malgré qu'il y a eu un jour férié. Et je me suis pris les nouvelles encres. Donc Soyeuse succulente, pierre rose polie, fraisier en fleurs, papaye pâle et épinette enivrante. J'ai pris aussi les recharges qui vont avec, donc les 5. Et j'ai pris des feutres comme ceci, des Stampin' White. Donc c'est les nouvelles couleurs. Donc voilà. Après j'ai pris alors j'ai pris des papiers. Alors j'ai pris des papiers comme ça. Donc j'ai pris les 5 nouvelles en A4. Ma préférée, bon, c'est celle-ci. Et celle-ci. Et je me suis pris des autres. Donc c'est juste Jade et Beau Bourbon. Voilà. Du coup, je me suis pris aussi pour ranger mes blocs. Donc les 5 derniers. Pour les 5 derniers blocs. Je me suis pris deux lots de peinture. C'est peinture chatoyante blanc de givre parce que j'avais vu ça sur la vidéo du petit monde de Peg et il sort du catalogue et elle mettait ça dans ses j'en ai pris aussi d'ailleurs dans les petits trucs comme ça, elle met de l'alcool dedans et ça fait des effets sur les cartes, donc je vais tester. Donc ça aussi, j'en ai pris 4 lots pour mettre les encres dessus, pas dedans. Et ils sont assez grands. Et je vais pouvoir mettre en bas certainement. Ou là, je vais écrire ce que j'ai mis dedans. Voilà. Après là, j'ai pris du Crystal Effect étincelant pour mettre sur les créations, pour mettre un peu de paillettes pour que ça ait un peu un genre glossy mais pailleté je pense. Après ça c'est la première fois que j'en prends pour tester, donc des bijoux classiques, donc c'est des demi-perles en fait, donc il y a des petites, des moyennes et des plus grosses. Bon après je sais pas si j'en reprends, c'était juste pour voir voilà. Par contre celles-ci elles sont jolies, les opales rondes, elles ont un joli rendu. Donc là aussi, et là on a deux tailles il me semble, les petites et les grosses. Par contre ils disent pas combien il y en a. Je crois que c'est marqué sur le catalogue. Et pour finir, je me suis pris le lot souhait en ovale. Donc avec la perforatrice. Comme ceci. C'est pour découper
fêter ça, douce amie. Merci pour ta gentillesse. Gros bisous. Une petite surprise pour toi. Bienvenue, petit loulou. Une chance que tu es là. Joyeux anniversaire. Et là, donc là, on peut découper comme ça. J'aime bien ce set. Et c'est des... Comme ça, c'est pas des tampons clear, c'est des amovibles. Voilà. Là, voilà ma commande. Maintenant, je vais ranger tout ça. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.